Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne française Lycée Facile. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 26 du dernier jour d'un condamné. La situation du chapitre. Le narrateur est installé dans une cellule à la conciergerie. On lui a ramené ce qu'il lui faut pour écrire, mais on a installé avec lui un gendarme pour empêcher toute tentative de suicide. La conciergerie, et on lui a ramené ce qu'il lui faut. Donc, mais donc, un gendarme dans la cellule l'intihar. Il s'agit ici d'un discours fictif et argumentatif. Le chapitre Bichitab Khayali, un discours fictif Khayali et argumentatif Hujaji, Mouajja adressé à sa fille Marie, Mouajja et Tefla Dielou, Marie de 3 ans. Donc, dans lequel le condamné avance des arguments contre la peine de mort. Livre le discours, le condamné qui est Qaddam Bad al-Hujaj Dot al-Hukm bil-Ed. Donc, les arguments que le narrateur donne dans ce chapitre, il y a les hujaj li ka'tayhuma awalan. Donc, il ne faut pas laisser un enfant orphelin. Yajibu, Allah, nada'a, taflan, tout simplement, yatim. Il donne un exemple ici dans ce chapitre, à travers une figure de scie de l'accumulation. Yani, ka'tamitel, à travers la figure de scie de l'accumulation, je cite, ton père qui t'aimait tant, qui baisait ton petit cou blanc, qui passait la main sans cesse dans tes cheveux, qui prenait ton joli visage rond entre ses mains, qui est-ce qui te fera tout ça maintenant? Malheureuse orpheline. Donc, dans cette figure de style d'accumulation, le narrateur nous décrit, qui est Sofna, comment était sa relation avec sa fille. Tout simplement, qui est Sofna, qui fait ce qu'il y a de la alaqa dialou, ma ibna, ou ma tafla dialou. Donc, tabiat hal, qu'il y a de la alaqa mali'a, bilhanan, ou bilhub. Et là, comme vous voyez, dans le champ lexical, diel, l'amour et de l'affection. Donc, par exemple, baiser. Voilà, donc passer la main sans cesse dans tes cheveux, etc. Donc là, ce sont des champs lexicaux de l'affection et de l'amour. Pour le deuxième argument, le narrateur nous dit l'exécution d'un condamné a des conséquences sur son enfant. Yani, elle est d'un tel condamné, le ou tire ta bête hell, elle a tafle. L'exemple qu'il donne ici, tous les enfants de ton âge auront des pères. Il coule atfal diel sinyel kaykun handhum ab dielum. Excepté toi. Il a un ti tabethal. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour, de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers. Donc, du jour, de l'an, des étrennes, cela veut dire les cadeaux, les beaux joujoux. Les jouets, elle des bonbons et des baisers. Autrement dit, la tija ou tir les radicoun and la teflam tabet hal bad l'edem diel le condamné, c'est que on va l'empêcher, on va la priver tout simplement, a dit timda, les cadeaux, les jouets ou les bonbons et les baisers de son père tout simplement après l'exécution bad l'edem. L'argument 3. L'avenir d'un enfant de condamné est compromis. Yani, Moussarbel, diel tefl, diel le condamné, fi khatar, est compromis, est en danger. Donc, dans le chapitre, cela apparaît dans les phrases tout simplement interrogatives. Le narrateur dit, que deviendra-t-elle? Mada, kefa satusbeh, ou mada satusbeh. Est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? L'utilisation du futur aura sentiment négatif, honte, horreur, méprisé, repoussé. Cela veut dire que la fille du narrateur Tefla Diel Rawi Mbad, l'exécution Mbad Edem, donc elle aura honte de son père, tout simplement, donc il sera méprisé et repoussé par les autres à cause de son père qui a été exécuté. Donc, deuxièmement, une stratégie de persuasion. Yani tariqa li ki sa'al biha le narrateur fa de chapitre bach yqna' bach yhawl yqna' al qari'. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, le narrateur fait appel aux sentiments familiaux. Yani qui s'amel fa de chapitre les sentiments et hasis familiaux et il y a pas de l'exemple, il utilise les marques de tendresse. Donc, les marques de tendresse, envers sa fille, toujours
la fille d'Yahou. Donc, il dit par exemple, petite Marie bien-aimée, qu'il aime de toutes les tendresses de mon cœur, ton père qui t'aimait tant, adjectif qualificatif comme petite, jolie, description angélique de Marie, ton petit cou blanc et parfumé, joli visage rond, etc. Donc là, nous avons le champ lexical de la tendresse, la tendresse que le narrateur utilise comme une stratégie persuasive. Donc là, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons dans ce chapitre l'implication du locuteur. Autrement dit, on a les marques de la première personne du singulier. Le narrateur utilise le je, le me, le moi, nombreuses répétitions de ses pronoms. Ça veut dire que le narrateur est impliqué dans ce discours. Il parle de lui-même, il parle de sa vie. Voilà, effectivement. Ensuite, on a l'utilisation du registre pathétique. Donc, le registre pathétique dans ce chapitre apparaît dans les phrases exclamatives et interjections qui traduisent tout simplement les émotions du narrateur. Ni jumelle, exclamative et les interjections, non. Donc, qui tarjmouna tout simplement, donc, l'ehassis dit le narrateur comme la tristesse et le désespoir. Ah, il dit par exemple, je cite, ah, grand Dieu, misérable, oh, c'est pour moi, compassion, donc éveillé chez le lecteur, attendrissement dû à la séparation avec sa fille. Donc on a également l'adjectif qualificatif quand il dit, par exemple, pauvre petite, sa fille va se retrouver seule, malheureuse et orpheline. Donc l'essentiel, dans ce chapitre, il utilise le registre pathétique pour pouvoir créer une sorte de compassion chez le lecteur, chez l'ikhlaq. واحد النوع من الشفقة عند القارئ تجاه voilà le narrateur et sa fille tout simplement. Donc ce qu'il faut retenir, la synthèse. Dans ce chapitre, le chapitre 26 du dernier jour d'un condamné, le narrateur fait appel aux sentiments familiaux tout simplement pour défendre l'abolition de la peine de mort. يعني كيسال بصورة ديال الطفل ديالو كيسال بالاحاسيس ديال اللي عندها علاقة بالعائلة باش يدافع tout simplement les figurettes ديال إلغاء la peine de mort. Donc c'est ce qu'il faut retenir de ce chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine, inshallah.